Bonjour à vous tous, mes chéris. J'espère que vous allez bien. Moi, ben, ça ne va pas. Voilà. Ça ne va pas du tout, du tout. Et par franchise, toujours, eh ben, j'avais envie de vous tenir informés. Ça fait plusieurs jours que je ne fais pas de vidéo, que je ne donne pas de nouvelles. J'ai mis quelques petites photos sur Instagram. Mais non, ça ne va pas du tout. Non, non. Donc, je suis toujours en France. Je vais y rester encore quelques jours. Quand j'ai créé cette chaîne, c'était pour m'amuser. Je pense que beaucoup l'ont compris. J'aime la vie, j'aime les gens, j'aime rire dès que je le peux. Après, y en a qui n'y croient pas, j'en ai rien à faire. Je m'en fous de tellement de choses aujourd'hui. Et j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir, tellement de plaisir à faire cette chaîne que du coup, j'ai invité Krissa à me rejoindre. Depuis maintenant plus d'un an avec Krissa, on s'amuse beaucoup à faire cette chaîne, à rire. Bien sûr, on rit tout le temps parce que les emmerdes, on en a. Et à un moment donné, on préfère rire que se laisser submerger par les emmerdes. Seulement aujourd'hui, j'ai plus du tout de plaisir à faire cette chaîne, tout simplement. Parce que depuis mon passage, depuis le début de mon passage en France, y a des soucis qui se cumulent les uns sur les autres, etc. Et du coup, il faut que j'arrive à gérer tous ces soucis. Et là, je viens de subir un deuil. Et donc, vous comprendrez pourquoi, mes chéris, oui, j'ai pas de plaisir à faire de vidéos, j'ai pas de plaisir même à faire quoi que ce soit. J'ai besoin de vivre ce deuil, j'ai besoin de le gérer, j'ai besoin de m'en sortir. Toute seule. Comme vous le voyez, je ne suis pas avec Krissa. J'ai besoin d'être seule, de vraiment être seule. C'est pas que mon voyage avec Krissa s'arrête, pas du tout. Ça n'est pas du tout remis en question. Seulement, la seule chose que je voulais vous dire, c'est que j'arrête pour quelques jours, peut-être quelques semaines, de faire des vidéos. Je veux remonter. De toute façon, vu mon tempérament, du haut de mes 56 ans, je sais comment je suis. Là, vous me voyez, je suis au fond du trou, tout simplement. Je tenais par respect pour vous, par honnêteté pour vous, de vous en informer, tout simplement. Ne pas rester silencieuse comme si je fuyais. J'ai besoin de me ressourcer toute seule. Je continuerai sûrement la chaîne, mais pas pour le moment. Donc, je vais prendre quelques jours. J'espère que je vais me remonter vite. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, Krissa et moi, ça n'est pas annulé. L'Allemagne n'est pas annulée parce que la vie doit continuer. Mais j'ai besoin de gérer l'ensemble de ces choses, de vivre au moins pendant quelques jours ce deuil, le vivre pleinement. Et de toute façon, après, je vais me remonter. Ça, je vous le promets. Je vous le promets parce que je me connais. Je sais que je peux tomber très bas et je me remonte après. Et je resterai la même faux-folle, la même rigolote, etc. Mais là, j'accepte de pas être bien. J'accepte de me recroqueviller sur moi-même. Et puis après, on verra. On verra bien. Donc, je vous remercie vraiment tous. Ne vous vexez pas si je réponds pas à vos commentaires. J'ai pas trop envie actuellement d'être sur YouTube. Je ne sais pas si Krissa va continuer les vidéos pendant que j'aurai cette période. Je ne lui ai pas demandé. Elle fait ce qu'elle veut. On est deux entités complètement différentes. Ce qui va l'aider, c'est que nous ne sommes pas ensemble actuellement. Pardon pour le bruit, il y a un avion qui est en train de passer au-dessus. Donc, je ne sais pas ce que Krissa fera, mais en tout cas, pour le moment, voilà. Je vous tiens au courant, je vous ferai une vidéo quand j'irai mieux, quand je reprendrai tout ça, et si je continue ou pas la chaîne.
Je vous fais plein, plein de gros bisous. Je ne change pas d'avis. Je vous adore vraiment tous, tous, tous. Je suis désolée pour les personnes que j'aurais dû voir ces jours-ci. Je pense que vous comprendrez pourquoi je vous ai dit que pour des raisons familiales, je ne pouvais pas vous voir. Je pense que vous le comprenez, on a tous des familles, c'est jamais simple. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Au revoir mes chéris.